sort de membre et en mode qui ça l'a fait hier soir. On se rappellera plus. Bah alors ça va. Are you ready for the MLG? Bonjour, c'est matin, il est 10h, on se prépare pour aller à Paris Games et on s'est levé un peu trop tard. Tu te rappelles ce qu'on a fait hier soir toi? Moi non plus. Salut, c'est le soir et c'est marrant. On va mieux pas. Et on regarde un film de merde. Genre regardez-le pas parce que vous êtes déçus. Non, et donne un pitch. Non parce que je vais plus en avoir après. Ça va être des peurs en fait. Salut, ça va? On est à la Paris Games Week, c'est plutôt marrant. Salut Matt. Salut, ça va? On s'est fait caler parce que l'entrée youtubeur c'est là-bas. Voilà. On voit absolument rien ici. Mon pénis est énorme. Je suis avec Matt, salut Matt, bonjour Alan. T'as des trucs intéressants à dire à la Paris Games Week. C'est très vaste. C'est vachement grand, c'est plus grand que les années précédentes. C'est cool, j'ai essayé, bah j'ai rien essayé du tout. On a fait la queue pendant une bonne heure pour jouer à Counter-Strike. Et bon, on a gagné 3 parties d'affilée, du coup on a gagné des t-shirts. On est fort à l'Herbol. Il y a peu de monde, les couloirs sont vraiment vides. Il y a vraiment personne. C'est bien la Paris Games Week. Eh bien mon cher Jean-Luc, ce n'est plus un vent mais bien une tempête qui vient de se déferler sur nos bodies. Voilà le message vocal anonyme qui nous a été transmis avec cette vidéo amateur. Je ne sais pas si ce jeune homme qu'on appelle Nobody va pouvoir s'en remettre après ça. Personnellement à sa place je pense que je ne pourrais pas continuer tout simplement à vivre. Hein. Qu'est-ce que t'as pensé de la Paris Games Week? Que c'est vaste et que c'est vide et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Parce que 2 heures pour faire la queue, c'est beaucoup trop. Moi, vous permet à ces poids de pouvoir mettre des points d'attache. Deux des éditeurs de Just Cause 3 sont venus sur la scène de Square Enix pour présenter le jeu. Ils ont présenté un petit gameplay en live et l'ont commenté en décrivant les nouveautés, etc. par rapport à Just Cause 2. J'ai pu essayer le jeu moi-même et vraiment ça confirme ce que je pensais, il est vraiment sympa mais je ne sais pas si je l'achèterai parce que pour moi un mode multijoueur dans ce genre de jeu c'est primordial et malheureusement il n'y en a pas. Peut-être que comme pour Just Cause 2 il y en aura un qui sera fait par la communauté. Le Wix. Stop here and open up the map and select a town that's abreast.
de racine. C'était obligé, c'était obligé. Pas du tout. C'est deux gros cons, hein, vous. Ouais. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Coucou. C'est une vidéo. Ouais, ambiance ascenseur. C'est abusé quand même. C'est le temps qui s'installe en fait. Enfin, je crois. Yeah.